non plutôt la Slovène, Tiasa Kiselev, qui se présente pour le dernier passage dans cette finale au saut féminin, 16 ans tout juste. Ah, la course est Randad, Yurchenko vrille. Est-ce qu'elle est suisse? C'est une finale de pas très élevée, hein, parce que pour l'instant, à part des vrilles et des saltos en carpé demi-tour, on n'a rien vu. Hein. Il n'y a pas de double vrille, il n'y a pas de... Là, c'était une simple vrille, vous voyez, Yurchenko vrille. C'est sa première participation à un tournoi de Coupe du Monde de catégorie A, comme c'est le cas ici à Doha, la dernière répétition avant les championnats du monde de Londres, à suivre dès cette semaine sur l'antenne de Sport Plus, je vous le rappelle, mesdames, messieurs. Gymnastes représentant 24 nations ont fait le déplacement ici dans la capitale du Qatar. Et Tiasa Kiselev avec un saut d'une difficulté de 5 points. Ça sera mieux que Tijana Kalcec, la croate que l'on a vu précédemment, hein, Laurent. Oui, c'est un problème. 13,525 malgré tout. 8,625 sur l'exécution de ce premier saut avant la présentation d'un saut qui sera similaire dans la difficulté. 5 ouais. points, vous le voyez sur l'écran. Ah, c'est un peu mieux. Lui, ça peut incarper demi-tour. Un peu mieux, effectivement. Ouais, un peu mieux, mais avec un gros déséquilibre. Il y en a une qui doit avoir pas mal de regrets dans cette finale au saut féminin. C'est la Finlandaise que l'on a vue quasiment en ouverture, Annika Urvico, qui était celle, grosso modo, qui avait le plus d'expérience dans cette finale, mais qui, malheureusement, à cause d'une grosse chute dans la deuxième exécution, va passer au travers du podium dans cette finale au saut féminin, qui sera remportée finalement. Ça ne va pas être une grosse surprise, compte tenu de ce que l'on a pu voir. Ça l'est, malgré tout, en termes de résultats, par la Suédoise Ida Johnson, qui s'impose avec une moyenne de 13,712 devant la Slovène Tiasa Kiselev, dont on voit ici la deuxième exécution, parce que sa note va sortir en moyenne à 13,525, la médaille de bronze pour la Croate Tijana Kalcec, mesdames, messieurs, pour venir boucler cette troisième partie ici à Doha. Restez bien avec nous, parce que la suite du programme est absolument somptueux. On va y